Allez, aventure principale. Là, il y a quoi? Ravin de Fafnir. Fafnir, c'est pas un dragon? Qu'est-ce que tu fais? Je regarde le cadavre. Des trésors provenant de tous les royaumes. Tu penses que Fafnir est aussi allé à Alfheim? Je ne sais pas. T'es pas curieux? Il a l'air intéressant. Nous allons dans sa réserve pour récupérer des choses qui pourraient servir. Pas pour en apprendre plus sur ce nain. Ah, Fafnir. Ah, bah c'est là le. Le chemin qu'il nous a dit là. Je me demandais où c'était. Cool. Cool, cool, cool. Pierre. Nain. Alors, êtes-vous allé dans la réserve de Fafnir? Pas encore, on y va. Prudence et mère de sûreté. Il n'y a guère plus de bonnes âmes ici depuis que tout le monde est parti. Je ne voudrais pas généraliser, mais on essaie le plus souvent de vous tuer. C'est noté. Oh. Je sais que ça ne me regarde pas, mais si j'étais toi, j'effacerais ce symbole que tu as dans le cou. On nous a dit que ça nous protégerait. On nous a menti. Oh non, c'est bien un symbole de protection, mais pour que ce pigment spécifique tienne sur la peau, il faut le mélanger à de l'urine de sanglier. Est-ce vraiment préférable à la mort? Légèrement, oui. Ah bah, c'est ton coup, après tout. Bah. Sinri, t'as toujours été aussi... Propre? Si seulement. Mais non, j'étais aussi crasseux que n'importe quel nain, jusqu'à ce qu'une sorcière me remette sur le droit chemin. Grâce à sa magie, elle a découvert qu'il y avait des centaines de milliers de petites bêtes qui vivent autour de nous. Bah, si minuscules qu'on ne les voit pas. Non. Je t'assure. Et si elles rentrent dans ton corps, elles te rendent malade. Mais la sorcière m'a dit qu'il y avait un bois, le chêne, qui était un répulsif naturel et qui empêchait ces sales bestioles de se répandre. Depuis, toutes mes poignées sont en chêne. Je pense à tout, tu vois. Allez, je dois me remettre au travail. Inutile d'acheter une chose dont on n'a pas besoin. Exact. J'ai vu qu'on avait une nouvelle pierre, j'ai même pas fait gaffe. Ah oui, maintenant on combat plus des elfes, on peut les virer ça. Très faible chance d'obtenir bon des défenses, subir des dégâts, bof. Regain de santé à chaque parade. Ça peut être intéressant. Subissez des dégâts, non. Ah, on va le mettre parce que ça augmente le niveau. Peut-être qu'on va passer niveau 3. Pardon.
parti. Quête secondaire activée. Des pillards. Oh oh, ils ont dû arriver avant nous. Ah, activer le Bluetooth en même temps, ça. Bien passé. Un joli carnage. Atreus, suis-moi. Désolé, je pensais à autre chose. C'est moi ou j'entends une musique ? Un, deux... Sont où les cloches? Ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un pot. Gamin, trouve-moi la cloche. Elle doit pas être très très loin. Voilà, trouvé. Je pensais qu'il m'en fallait encore deux, mais non. Encore plus de rage. Ok, il y
y a un passage là-bas. Salut Nero, bienvenue. Ça se passe bien, wow. Et toi? Ok, c'est par ici la pierre de passage. Atreus. D'accord. Ah, c'est un parchemin, je me demandais. T'as lit, gamin. Une autre carte, super. Carte au trésor. Sans faire de... Bon, là, sur l'avion, je ne peux emporter que l'essentiel. Je laisse mes biens sous le regard protecteur du visage de Pierre jusqu'à mon retour. Alors là. Alors là, j'en sais rien du tout. Les pillards ont réussi à rentrer, on dirait. J'espère qu'ils n'ont pas emporté tout le trésor. Tu m'expliques comment ils ont pu rentrer sans ça? Sans la pierre? Ah, pour l'instant, je suis en plein kiff. J'adore le jeu. J'adore le jeu. Me faire toucher. Il y a que des pots et des drogars ici. Pas de trésor magique, ni de pierre à aiguiser. N'espère rien, mon garçon, et tu ne seras jamais déçu. N'espère rien et tu ne seras jamais déçu. Pas mal, hein, pas mal. Demi-tour. On va utiliser la pierre. Qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont pris par surprise. Je m'y attendais pas. Exactement. Ça va, le gosse il a bien réagi quand même, putain. Ouais, je fais que de ça, ouais, pour le moment. Des ennemis devant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est merdé. Bon, on refait, on recommence, on n'a rien vu.
bloqué comme un con à la porte. On recommence. Des ressources utiles. Il faut se méfier quand ils chargent leurs armes de magie. Ils peuvent alors exécuter une triple volée. Cool. C'est d'abord pour ça qu'on est venu. Mais la plupart de ces coffres ont été vidés. Sûrement par les pillards. J'espère qu'ils n'ont pas pris la pierre à aiguiser de Sindri. Était aussi en niveau God of War, en difficulté. C'est reparti. Je me demande comment les pillards ont fait. J'ai un bon pressentiment pour la prochaine. On trouvera peut-être même la pierre à aiguiser. Rappelle-toi ce que je t'ai dit à propos de tes espoirs, Atreus. Je dois rien espérer, je sais. Mais quand même, j'ai un bon pressentiment. Quand même. Mal cette saloperie. Va appeler le chien.
elles m'ont fait mal. Je me suis pris une attaque, l'attaque du poison, elle m'a tué ma vie, quoi. Le lancer de nain, putain, qu'est-ce que je rêverais de pouvoir faire du lancer de nain. Il va falloir jouer différemment. Bien passé. Le loup, j'aime bien. Poison, jamais il s'en va. Yeah.
Deuxième, j'ai failli le Tu parles d'un bon pressentiment. La prochaine fois, tes pressentiments, tu te les gardes. Pas envie de faire la réanimation parce que bon, c'est à chaque fois il faut payer 1000 pour en récupérer des pierres. Je le fais vraiment, vraiment, vraiment si c'est si je suis sûr de pouvoir me relever et de tuer en fait. De pouvoir me relever et de gagner, c'est ça que je veux. Cette fois. J'ai vu. Alors je dois rien espérer, mais je dois m'attendre à ce qu'on m'attaque à tout moment. C'est un équilibre délicat. Attends-toi au pire. Ne tiens rien pour acquis et essaie d'anticiper les attaques. Ça fait beaucoup de choses à mémoriser. Ah, en mode God of War, t'es obligé hein, de des fois de spammer la hache. Hein. Concentre-toi. Putain, mais ils sont niveau combien ces cons? Derrière toi. Ah. Le problème c'est ça, c'est qu'en God of War t'as du one shot en fait. J'avais toute ma vie. Relève-toi.
Ça servait quasiment à rien que je me soigne. Parce que le. Non. La plupart ils me one shot en fait. Les blancs ils sont niveau 6, je crois. Je suis niveau 3, je crois. Oh! On a réussi! T'es ici, toi. Niveau 2. Presque 3. Non, ça c'est la sortie ça. On a un rayon laser. Ouais, non. Non, non. Même pas. Tu reviens te soulager sur mon cadavre, espèce de petite horde. Hein ? Qui êtes-vous ? On cherche une pierre à aiguiser. Vous l'avez vue ? Oui, il y en avait une dans cette pièce. Mon fils a aiguisé sa dague avec, juste avant de me poignarder dans le dos. Quoi ? Ce petit bâtard estimait que c'était à son tour de diriger mes gars. Je n'ai pas été tendre avec lui, c'est vrai. Ça ne devrait pas me surprendre. J'ai fait la même chose à mon père quand j'avais son âge. Il a tué son propre père ? Où est-il maintenant ? Ah, c'est peut-être un meurtrier, mais ça reste mon fils. Ne compte pas sur moi pour t'aider. Alors sa dague nous aidera. Hey ! C'est à moi ! Hey ! Viens, Atreus. On s'en va. Sûrement pas. Ah, deux. Non, 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 non,
place cette tombe. Merci. Cette putain de Dawe, mais elle est horrible. Elle est horrible. Ça te touche, mais de ce méga loin. Plus Nero. Merci d'être passé. Et ouais, c'est dur de monter de niveau dans God of War. Enfin, c'est ça, c'est spécial ce qu'ils ont fait avec le. Pour de sombres crétins, vous allez vous battre. Je vous l'accorde. Avec le niveau. Niveau des armes. Yeah, it's one.